Africa, Europa, America, Asie, Bunsana, Tata biso banana yo to leli mingi tata ah tata bokono ya COVID-19 etikali kosilisa biso na mokili mobimba papa simbola loboko na yo to mona nguya na yo tata. Voilà, musique de chez nous, avec la chorale Saint-Odile, rythme dansant pour édifier et justement les artistes nous sensibiliser sur la COVID, ou le COVID, ça dépend de celui qui prononce. Musique de chez nous pour parler aussi des traditions de chez nous. Nous avons dit spécial à bâton rompu sur le Nzobi. Merci à la direction de la production. Merci à la direction générale de nous avoir accordé 15 minutes supplémentaires. Merci beaucoup. Nous avons décidé de mettre un terme sur cette affaire de Nzobi, en fait. Pas sur le Nzobi, mais en réalité sur ces petites guéguerres qui n'honorent pas en réalité nos amis du Nzobi. Bonjour, Maître Okis. Bonjour. Comment vous allez? Très, très bien. Ah, vous dites très, très bien, avec vigueur. Vous avez porté une peau sur votre taille. C'est une peau de léopard, une peau, c'est la civette, qu'est-ce que c'est? C'est une peau de genette que je porte par rapport au titre que j'ai dans le Njobi. Ah, votre titre, c'est quoi? Je suis Vandi. Mwande ou Vandi, selon les appellations. D'accord. Vandi. Oui. Vandi ou Mwande, c'est pareil. Alors, ça veut dire quoi, en fait? L'équivalent en français, c'est quoi pour ceux bon, qui... Bon, c'est... Si c'était... comment on pourrait appeler? Dans la hiérarchie, je suis comme un officier. Un officier. Ah, d'accord. Vous êtes un officier. Ok. Et puis, en face de vous, nous avons Monsieur Aga Ankassa. J'espère que j'ai bien prononcé. Vous êtes représentant de l'ANC de Maître Rama Azanaga. C'est bien cela? Je vais... Merci. Je vais vite rectifier... Ah d'accord, allez-y. C'est le secrétaire général de l'ANC. D'accord. Vous êtes le secrétaire général de l'ANC, Monsieur Aga Ankassa. Non, Monsieur Albert Abigna. Ah, Monsieur Albert Abigna. Oui, tous les représentants qui seraient arrivés ce matin, ils sont tous excusés. Ah d'accord, c'est quand même bizarre. Ah. Nous avons quatre ou trois représentants. On aurait eu ici Maître Rama Nekinda, voilà, et Maître Okis. Voilà. Bon, jusque-là, c'était bien. Lorsqu'on publie le conducteur sur les réseaux sociaux, bon, Maître Rama n'est plus disponible, voilà. Maître Okis n'est plus disponible. Non plus. On me dit que c'est Maître Ankassa qui devait être là, et finalement, vous êtes maître, vous êtes... Je ne suis pas maître, je suis le secrétaire général. Ok, d'accord. Il était prévu, justement, que Maître Kiss, vous puissiez nous parler du Nzobi. Le Nzobi, 100% Nzobi pur. Et que du côté, donc ici c'est l'ANC, du président David Otuono, c'est ça? Itolo. David. Et puis du côté de l'ANC de Maître Rama, il était question de nous dire, le Nzobi, qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, finalement, c'est le même terme. Et on s'est dit, bon, on met là et puis on est perdu avec les histoires d'ANC. Qui est ANC, qui n'est pas ANC? Ben, en fait, lorsque vous venez déjà dans le préambule, lorsque vous venez au niveau de l'émission, venez nous informer. On ne veut plus des diatribes, c'est-à-dire qu'on dit que ceux-ci sont des faux, ceux-ci sont des vrais, et tout ça, tout ça. Donc ça sont vos histoires à régler dans vos foyers ou dans vos lieux de ici. Nous sommes là pour informer le public, pour édifier, faire la promotion de notre culture, donc de ces traditions-là. Alors, monsieur de l'ANC,
Rama, excusez-moi parce que je n'ai pas votre nom écrit. Oui, Albert Abigna. Monsieur Albert Abigna, oui. Voilà, donc ça ne dépend pas vraiment de moi, je m'excuse. Tout à fait. C'est quoi le Nzobi concrètement? Question, justement. Non, le thème d'aujourd'hui sur la connaissance et connaître le Nzobi. Le Nzobi ici, qui doit être initié ou pas, doit connaître que notre culture se base sur les valeurs. Ok. Donc, qui est Nzobi doit prôner les valeurs morales dans la société pour les biens, le bien-être de l'humanité en général. C'est pour cela que nous devons nous atteler sur les principes du jugement et de la conduite. La conduite individuelle ou collective, du fait que ça pénètre la conscience individuelle, du fait que le fondement de ces actes se repose sur l'impératif du bien-être et non le mal. Car en fait, tout ce qui est Nzobi, je pense qu'on a les obligations de respecter les règles, on a les obligations de tenir un langage de respect devant ces valeurs. C'est pour cela que, en principe, s'il y a des unions dans la société, dans la famille Nzobi, ça ne s'arrange pas en public. Et les initiés, ils connaissent, ils savent. Vous n'êtes pas initié? Je ne suis pas initié. Ah, le mensonge, ce n'est pas bon. D'accord. Je ne suis que secrétaire général. On salue votre honnêteté. En tout cas. Après, c'est bizarre quand même qu'on envoie un non-initié. Oui, alors comprend. Puisque alors si que les initiés pouvaient être là. Voilà, ils sont tous excusés. J'en reviens sur les mots. C'est pas possible. Je ne sais pas comment m'expliquer au peuple le sujet de mais son oui, disque il a attendait des ce moment. Non, mais c'est que je suis dans la famille. D'accord. Je suis de la descendance. D'accord. Donc, c'est pour cela qu'on essaie d'expliquer culturellement. Alors, lorsque vous dites que vous n'êtes pas initié, mais vous êtes quand même membre. Oui. Donc, on peut être membre et non initié. Voilà. D'accord. Et sachant. C'est bien. D'accord. Alors, les caractéristiques d'un, je vais mettre l'adjectif, d'un véritable Nzobi. Quelles sont les caractéristiques d'un véritable Nzobi? L'objectif du caractère se repose sur les mœurs et les règles. C'est pour cela que je voulais en venir pour dire que dans cette société, l'usage de ces valeurs qui se reposent sur la conscience a une conformité relative aux esprits, à l'esprit de l'homme évolutif. Uh-huh. Et quand il a des petits couacs, il faut que ces initiés-là repartent au foyer. Ils le savent. Et ils règlent leurs affaires au fond. Car en fait, ce matin, nous allons parler culturellement. D'accord. Parole à Maître Kiss. Merci que je puisse dire. Le Nzobi sans puissance pure, oui, c'est quoi? C'est ce que je veux dire. Je parlerai rien que du Nzobi pur. D'accord. Du fait que, sous l'égide de mon président David Etoulo, je ne pourrai pas entraîner les gens vers la ruine ou la chute. D'accord. Le Nzobi, c'est notre culture. Il n'est pas mbéti, mais il prend en son sein au moins sept patois. Commençons d'Njabi jusqu'à Okota et de Kota jusqu'à Mbamba et Lembiré. Au-delà de cette terre géographique-là, ce n'est pas le Nzobi. Non, j'ai dit ceci. Ok, d'accord. Je n'ai même pas donné la définition puisque vous avez voulu savoir la définition. Okay. Le Nzobi, c'est quoi? C'est une spiritualité noire et mystique. Et en son sein, il comprend trois parties essentielles qui sont la protection, la guérison et la danse. Donc, dans ça, il y a, pour celui qui s'est adhéré au Nzobi, il ne peut que faire ce que les ancêtres. Le Nzobi vient de l'Antiquité, notre Antiquité. Les aïeux ont laissé. Il n'est plus question de faire autre chose. Dans le Nzobi, nous appliquons ce que vous appelez dans les sciences la loi de Lavoisier. Rien ne se crée
rien ne se perd. Ce que les aïeux ont fait hier, c'est ce que nous devrons faire aujourd'hui. Mais si vous prenez la Dupéry pour mettre au sein de Ndiobi, vous cherchez soit la mort pour vous-même, soit la mort à autrui. Voilà comment j'ai défini cela. Lorsque vous parlez de Dupéry, vous faites allusion à quoi concrètement? C'est le mensonge. Persifler le mensonge aussi. Moi, je crois que dans le début, c'était simple, c'était clair. Pourquoi nous nous sommes arrivés à deux associations? Et je le dis, j'ai déclaré même le débat ici. Quand les gens sont dans le faux, il faut leur dire que vous êtes en faux. Et si vous ne pouvez pas accepter que vous êtes dans le faux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'il y ait dislocation. En se disloquant, celui qui reconnaît que je suis véridique doit demeurer dans la véridicité. Je peux vous prendre ce cas. J'ai la peau de la Jeannette qui est sur moi. Avant tout, je ne la portais pas, puisque je ne méritais pas porter cette peau de Jeannette. Cette peau de Jeannette, c'est les autres. Nous voyons comment on décerne cela aux femmes. La peau que je détiens, si une femme prenait et la gardait même pendant une semaine, cette dame mourra. Donc, cette peau de Jeannette n'est pas destinée à remettre à une femme. Si vous donnez à une femme, c'est la fausseté totale, et je ne pourrais pas accepter que cette tromperie. Nous parlons ici, on est au Gabon, et le socle d'une Ndiobi n'est qu'au Tala, au Gabon. Mais quand nous faisons des choses qui ne sont pas correctes et nous parlons à l'international, mon frère, mieux vaut rentrer dans un cercle que de continuer à parler. Je veux ouvrir une petite parenthèse. Cette peau-là, elle ne peut être que tenue par vous. Par exemple, vous êtes à la maison, est-ce que les enfants peuvent toucher? Par mégarde, si les enfants touchent, aucun, aucun de mes enfants n'a le droit de toucher. Ma femme n'a pas le droit également de toucher. Mais si par erreur, en fait, ça peut arriver qu'ils touchent. S'ils touchaient par erreur, je saurais et nous saurions comment remédier cette difficulté. Donc, cette peau est décernée à tous les Ndiobis. Vous adhérez. Pour la protection de la maison, la première des choses, on vous lègue ceci. Et en montant hiérarchiquement, vous avez le droit de danser avec cette peau. Mais cette peau, ce n'est pas tout le monde qui pourra danser. Et en ayant ce grade, je peux danser avec ça et la corne enchantée. Mais ceux-là qui ne sont pas encore passés par là, n'ont pas le droit de faire. C'est pour cela, quand nous demandons même les interventions, le vol, les envoûtements, les raptes par la sorcellerie, des gens par la sorcellerie, les oublis des choses dans les véhicules, nous intervenons sans connaître le nom de quelqu'un parce que nous faisons le tout en vérité. D'accord, je ferme la parenthèse. Monsieur le secrétaire général, oui. La question a été évoquée par... Moi, je ne fais que rebondir sur ce que vous dites ici, les uns et les autres. Maître Kiss a parlé justement de dislocation. S'il y a deux, on a deux ANC aujourd'hui, c'est parce que justement, là, quelque part, il y a eu du faux, il y a eu du prix. Qu'est-ce qui s'est réellement passé selon vous? Pourquoi aujourd'hui nous avons ce spectacle qui n'honore pas le Ndiobi? Deux ANC qui se revendiquent je ne sais quoi. Mais en fait, pourquoi on en arrive là? Merci. Ça me paraît un peu étrange que devant les médias, on puisse sortir des mots qu'on ne peut pas être à mesure d'amener les autres à la raison. Pourquoi Maître Kiss ne peut pas nous amener à la raison? Le faux. Aux médias, le faux, vous voyez, c'est un mot profond qui peut nous amener, comme il a dit, à la dislocation. Or, réparer certaines choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, le couac entre les initiés, c'est au foyer, comme ils le savent. Mais j'avais pensé que cette situation qui perdure, il était nécessaire que Maître Kiss puisse être un peu franc dans son langage. Parce que moi, j'entraîne le Ndiobi pas dans le sens où les anciens ont laissé ces valeurs telles. Aujourd'hui, Maître Kiss ne peut pas nous démontrer le contraire que dans le fouillis que lui commande ou enseigne, on ne peut pas trouver des nouveaux éléments qui viennent de découvrir le Ndiobi.
Mais en ces mains-là, celui qui est initié, le nouveau qui est initié, là, il peut aussi créer son foyer. C'est lui l'éduque. Et il peut submerger tel que son ancien maître. En ce point, je pense que même les anciens, avant qu'on y arrive à notre génération, ils avaient déjà atteint ce qu'on appelle la confrérie. C'est pour cela que, à partir de la confrérie, on ne peut pas égarer notre culture. Justement, permettez-moi d'intervenir. L'égarement de notre culture, ce qu'on appelle votre culture, est dû aussi par ce que... suivez-nous ici, ne vous occupez pas de ce qui se passe là-bas. Vous n'avez pas éteint votre téléphone, mais voilà, ils vont s'en charger. Notre culture, c'est-à-dire que l'égarement de notre culture est en train d'arriver par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. En fait, je vous ai posé une question. En lingala, on dit « Bozo wele la nini ». Ok. Donc, voilà pourquoi je vous ai répondu que cette évolution-là, quand il dit le faux, c'est quoi? Parce que les autres, je veux parler de Maître Rama, qui utilise un peu de la bougie. Voilà. Et le Nzobi n'est interdit par la prière. D'accord. Voilà pourquoi je viens de parler de la confrérie. Eux, en fait, l'aile du président David Etolo, de Maître Kiss, okay, reproche à Maître Rama de faire une espèce de syncrétisme, en fait, okay, de mélanger beaucoup de choses dans le Nzobi. Okay. OK. Mais s'il en est ainsi, mais tel que Maître Okiss est là, il peut aller la prière. Ce qui est défendu dans le Nzobi, c'est les pratiques. Les pratiques sataniques. Mais sincèrement, une personne humaine peut aller à la prière. C'est-à-dire que dans le Nzobi, tout est permis, sauf ce qui... Et satanique. Ce qui est satanique. Effectivement, okay, le mal. D'accord. Maître Okiss, c'est clair, en fait. Ce n'est pas du tout clair. Oh, comment ça? Oui, il faut élucider afin que les gens comprennent. Nous sommes intellectuels. OK. Étant intellectuel, nous ne venons pas parler ici par plaisir. Quand on vous parle d'une confrérie, lisez, vous verrez que la confrérie n'est qu'une mutuelle. Quand on vous parle du secte, la secte n'est pas sectorielle, mais c'est l'ensemble des gens réunis sous un gourou, avec une philosophie qui peut être toutefois être spirituelle. Voilà ce qui définit la secte. Mais quand on vous parle de confrérie, nous sommes à l'étape d'une secte, nous ne pouvons plus s'abaisser pour être dans une confrérie. Non. Et je dis ceci, on ne mêle jamais. Je vous dis, il y a Gabon Culture qui est là, vous êtes journaliste. Renseignez-vous auprès de vos amis journalistes dans Gabon Culture. On vous dira que ceci que l'autre fait n'est pas correct. Nous voulons que le Ndiobi soit pur. Le Ndiobi soit ce que nous avons acquis. C'est comme moi aujourd'hui. Je suis africain, né en Afrique, si vous me voyez se transformer en blanc, ça veut dire qu'il y a fausseté. Et la fausseté vient de quoi? Des produits que je me fais maquiller. D'accord. Voilà, d'accord, c'est cela. Alors, nous sommes à la fin. Je veux dire ceci. Dans le domaine des télécommunications, c'est-à-dire que nous avons MTN, RTL, Congo Télécom, il y a un régulateur qu'on appelle l'ARPCE. Quand il y a des problèmes, il y a des situations, le régulateur est là. Dans le domaine de la communication, vous avez beaucoup de médias, Télécongo, DRTV, Vox TV, etc. Et nous avons un régulateur qu'on appelle le Conseil supérieur de la liberté de communication, qui peut régler les conflits. Dans l'islam, ils ont le Conseil supérieur islamique du Congo. Les chrétiens, ils ont le COSERCO. Alors, cette affaire de Nzobi, des vrais ou de faux, qui doit régler cette histoire? Qui est censé régler cette histoire? OK. Ce problème est tellement très simple. Il faudrait que Maître Rama, avec tous ses valets, reviennent à la case départ. Avec ses valets. Oh oui, je le dis. Ce sont les mots français que je prononce. Allez-y. Maître Rama et ses valets reviennent dans l'authenticité. Ah, d'accord. Hein, qu'ils sachent que dans le Ndiobi, on ne ment pas. Dans le Ndiobi, c'est l'éthique, la moralité, l'éthique, la valeur culturelle doit demeurer. Pourquoi nous avons un ministère de la culture? C'est pour faire de sorte que ce qui est congolais soit congolais. Nous, d'accord, n'allons pas, okay, mêler le Ndiobi avec ce qui est, d'accord, pour les Occidentaux. Alors, on ou vous reproche de ne pas être dans le Oui, mais pour éviter maintenant la diffamation. Mm-hmm. Ouais, parce qu'on est aux médias. Mm-hmm. Cette diffamation, elle n'est pas bonne. Parce que ça frustre
c'est qu'ils nous écoutent. Et voilà pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à Kiss de faire de manière que un pas en arrière serait mieux de venir en famille. Parce qu'en fait, jusqu'alors, c'est lui qui doit venir vers vous. En fait. Oui, parce qu'il n'a pas encore déposé sa démission. Ah, d'accord. Jamais. Ah, c'est un de vos c'est moi le ségrégat. Un de vos déposé. Éléments, en fait. Mais oui. Ah, d'accord. Donc, qui en faut? On partait à la maison. Ah. Non. Mais c'est moi le ségrégal. C'est moi le ségrégal. C'est moi qui suspends. Je suspends. Mais après la suspension, on a fait deux réconciliations. Mais il n'a jamais déposé sa démission. Regardez. Je vous en prie. Est-ce que celui qui n'a pas commis peut être suspendu? Répondez à cette question. Puisque j'ai dit j'aime la vérité. Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas commis peut être suspendu? Qu'on peut suspendre quelqu'un dans la confrérie ou dans une mutuelle sans assemblée? J'avais demandé, j'avais demandé qu'au retour de leur voyage, que, vous êtes que les gens viennent pour que je le dis en vérité. Je suis, ça n'était jamais été. Suivez. D'accord, merci beaucoup. On va se saluer, c'est la fin. On va se saluer quand même. Non, mais on n'a pas encore donné les... Non, on se salue. Le salut est simple. Voilà, merci beaucoup. J'aurais bien voulu que Maître Rama soit là pour que, voilà, parce que... On a dit s'il y a un initié, il y a l'autre qui n'est pas initié. Oui, il faut qu'il trouve intérêt d'entendre. Il faut que Maître Rama soit là, nous allons, voilà, trouver un intérêt d'entendre. On rappelle des contacts rapidement. Rapidement. Pour le contact de notre ambassadeur, non, je commence par notre ambassadeur. Très rapidement, oui. Monsieur Alexis Mboala, plus 33, 7777, 301, 40, plus 33, 7777, 301, 40. Je passe au numéro du président, David Etoulo. Plus 242, 06, 906, 57, 57. Plus 242, 06, 906, 57, 57. Mon propre numéro. Plus 242, 06, 448, 35, 20. D'accord, vos contacts. Merci. Je demande au conférencier du 4 juin 2002 qui pouvait venir nous comprendre et compléter dans la salle de Wenze. À la mairie de Wenze. Déjà, le thème sera distribué par rapport aux invitations. Donc, pour terminer, le siège de l'ANC, c'est toujours au 28 rue Misaku, Mukondo. Téléphone de Rama comme maître.